Il faut que ce soit sérieux un jour. J'étais souvent seule. Je n'ai jamais vécu seule pourtant. Quand j'étais avec quelqu'un, j'étais souvent heureuse. Et en même temps, je prenais tout pour des hasards. Ces gens étaient mes parents, mais d'autres aussi auraient pu l'être. Pourquoi ce garçon aux yeux marrons était-il mon frère, plutôt que le garçon aux yeux verts que je voyais passer sur le quai d'en face? La fille du chauffeur de taxi était mon amie. Et de la même façon, j'aurais aussi bien pu de mes bras entourer la tête d'un cheval. J'étais avec un homme, amoureuse de lui. Et j'aurais pu sans hésiter le laisser là et poursuivre ma route avec cet inconnu que nous venions juste de croiser dans la rue. Regarde-moi ou non. Donne-moi la main ou non. Non. Ne me donne pas la main et ne me regarde pas. Je crois que c'est la nouvelle lune ce soir. Quelle nuit tranquille. Il n'y aura pas de sang versé dans toute la ville. Je n'ai jamais joué la comédie à quelqu'un. Et malgré tout, je n'ai jamais ouvert les yeux et pensé, là, c'est sérieux. Ça devient enfin sérieux. C'est comme ça que les années ont passé. Moi seule, étais-je si peu sérieuse? Le temps était si peu sérieux. Je n'ai jamais été solitaire, que je sois seule ou bien avec d'autres. Mais j'aurais aimé être enfin solitaire. Ça veut dire ça, la solitude. Je suis moi tout entière. Là, j'ai le droit de le dire, car cette nuit, je suis solitaire, enfin. Il faut en finir avec le hasard maintenant. Nouvelle lune de la décision. Je ne sais pas si ça peut exister, ce qu'on appelle le destin, mais je sais que la décision, ça existe. Décide-toi. Maintenant, c'est nous le temps. Ce n'est pas que la ville, c'est la terre entière qui va s'associer à notre décision cette nuit. Toi et moi, nous sommes plus que deux à partir d'aujourd'hui. Nous représentons quelque chose. Nous voici sur la grande place de l'humanité. Et sur cette place presse la foule de ceux qui rêvent à la même chose que nous. Et pour cette foule, nous déterminons le jeu. Je suis prête, moi. Alors, maintenant c'est à toi. C'est toi qui as en main le jeu. C'est tout ou rien. Tu as besoin de moi. Tu vas avoir besoin de moi. Il n'y a pas de plus grande histoire que celle que nous vivons, de l'homme et de la femme. Ça va être une histoire de géant, invisible, transmissible. Ce sera une histoire de nouveaux ancêtres. Regarde mes yeux. Ils sont l'image de la nécessité, la destinée de tous sur la place. La nuit dernière, un inconnu m'est apparu en rêve. Mon homme. Je ne pouvais être solitaire qu'avec lui. M'ouvrir pour lui seul, m'ouvrir toute. Tout à lui. Le laisser entrer en moi tout entier et l'emmener dans le labyrinthe du bonheur et de notre joie.